Dans le cadre des descentes parlementaires organisées par l'Assemblée nationale, l'honorable Charles Mboko Kitoko, député suppléant de la circonscription unique de Fouaty, siégeant, a décidé d'aller à la rencontre de ses mandants. Il a ainsi effectué une descente dans sa circonscription du 27 au 28 avril 2019. À ses côtés se trouveront M. Marker Dzomono, conseiller du président de la République, député titulaire de la circonscription. À l'ordre du jour de cette descente parlementaire, les séances de travail avec les autorités politiques et administratives, les cadres, les sages, les notabilités et les populations de la circonscription unique de Fouaty. Face à cet échantillon représentatif, l'honorable Charles Mbobo Kitoko a fait un exposé axé sur les points suivants. Organisation et fonctionnement de l'Assemblée nationale. Résultat des travaux des différentes sessions. Autres activités menées. Les problèmes d'addiction en eau potable de la ville de Loupédi. Le problème de l'électrification de la ville de Fouaty. Après quoi, s'en suivra un échange sur les différents sujets évoqués. S'agissant du point central portant sur les résultats des travaux des différentes sessions à l'Assemblée nationale, l'honorable Charles Mbobo Kitoko a déclaré ce qui suit. Malgré la conjoncture financière difficile qui n'a manqué d'impacter le rôle des élus, la 14e législature a pu tenir au cours des 20 premiers mois de son mandat une session ordinaire, dont deux budgétaires et trois administratives, et une session extraordinaire. Plusieurs lois ont été votées au cours de ces laps de temps. Nous retiendrons particulièrement les lois de finances pour les années 2018 et 2019, le budget de l'État au titre de l'année 2018 était arrêté en recette à la somme de 1 602 619 2095 029 francs CFA et en dépense à la somme de 1 383 610 009 295 000 francs CFA. Celui de l'année en cours est arrêté en recette à la somme de 1 987 150 000 000 de francs CFA et en dépense à la somme de 1 490 985 000 000 de francs CFA. La loi portant approbation du plan national de développement en cycle PNDE 2018-2022. Ce plan balise le développement économique et social du pays pendant cette période de 5 ans. La loi fixant les règles d'occupation et d'acquisition de terres et terrains en République du Congo. Ce texte vient pour réglementer un domaine qui constitue une source de problèmes touchant la vie des populations. La loi portant statut de la fonction publique territoriale avec création des corps de fonctionnaires territoriaux. La loi fixant la répartition des compétences entre l'État et les collectivités locales en matière d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire, et définissant les modalités de leur exercice. La loi relative à l'obligation de déclaration de patrimoine par les citoyens élus ou nommés à une haute fonction publique. Prenons la parole. À son tour, M. Makier Dzomono, qui a joué le rôle de modérateur tout au long de cette descente, a insisté sur le contexte difficile dans lequel se déroule la mandature actuelle, en raison de graves problèmes économiques et financiers que traverse le Congo. L'exposé de Laurent Mbogo a insisté sur le contexte difficile de notre mandat. Vous êtes sans ignorer que nous sommes en pleine crise économique et financière. C'est même la raison pour laquelle c'est la première fois depuis les 2 ans que l'honorable Mbogo siège à l'Assemblée. C'est la première fois que nous effectuons une descente parlementaire.
conseiller du président de la République, est également revenu longuement sur les deux épineux problèmes qui préoccupent prioritairement les populations, à savoir le manque d'eau dans la ville de Loutété et l'électrification dans la ville de Fouati, chef-lieu du district. Il y a le grave problème d'électrification de la ville de Fouati. On ne peut pas tolérer que Fouati, qui fabrique le cuivre qui conduit le courant, hein, qui est un élément qui entre dans les câbles électriques, que Fouati soit dans le noir, avec les conséquences que vous connaissez. Quand on parle de l'eau à Loutété, on a même des frissons. La SNDE, pratiquement c'est un bras cassé. Vous avez bien compris qu'on a même changé de nom. Là, nous l'appelons encore SNDE. Cette société a désormais, comme la SNE, un autre nom. C'est véritablement des entreprises malades. Donc, venir faire l'extension ici, l'État lui-même a pu commencer. Grâce au projet Pural. Vous avez vu le petit château d'eau qui est là-bas. Malheureusement, comme d'habitude, les projets qui avaient commencé à Loutété, Mouyonzi aussi, je ne sais pas quelle autre localité, ces projets-là ont été abandonnés. Donc nous sommes retrouvés avec un château d'eau, avec même un réseau de distribution qui va jusqu'à Makila et un peu partout, mais complètement abandonné. Ce n'est pas tout de construire un château d'eau, il faut également aller pomper l'eau. Surtout qu'avec nos amis les Chinois, bon, là l'eau est en train de couler parce que j'ai gueulé. C'est pas normal qu'en pleine saison sèche, qu'il fasse chaud ici et qu'il n'y ait pas d'eau. J'ai demandé au petit plombier, tu me montres là-bas, tu me ouvres ça et qu'il y ait de l'eau. Maintenant, une fois que j'ai fait ça, il faut vous organiser aussi pour suivre ça. Comment dans votre propre pays, une société qui s'installe, qui s'enrichit, ne peut même pas vous donner l'eau. Au regard de cette situation préoccupante, les femmes de Loutété ont lancé un cri de cœur. Population nyonso ya Loutété betu na pasi na mambo ya maza. Kuizana l'hôpital na kuza sosa maza. Bakartie nyonso pasi na mambo ya maza. Mambo ya maza kena beto pasi awa na Loutété.